bonjour à tous, bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo bourse encore, hein, comme date dans la bagnole. Donc là, c'est la bourse Terraillon-Nièvre, donc Magnicourt, sur 2 jours. Donc là, j'emmène les tortues qui sont juste en dessous, on peut pas les voir. Hein. Mais donc voilà, donc alors le trajet, bon, normalement c'est 3 heures pour y aller. Pour l'instant, je suis en train d'en mettre 5. Parce que, pas de bol, départ en vacances, donc moi je suis parti plutôt exprès pour les esquiver. Mais repas de bol, putain d'orage dans l'île de France, pile par mon chemin, donc en gros on voyait pas à 10 mètres sur certains endroits, donc ça m'a pas aidé. Mais bon, voilà, ça c'est les péripéties quand on est exposant, même en tant que visiteur, hein, on peut avoir des petits problèmes comme ça. Maintenant, pour revenir donc sur cette bourse, alors c'est une bourse que j'ai déjà fait l'an dernier, où je l'ai fait pour la première fois, donc j'avais emmené carrément 4 tortues, là j'en ai pris que 2 parce que malheureusement j'en ai une qui est malade. Et donc j'ai préféré laisser aussi sans mal à la maison parce que j'ai dû utiliser sa lampe UV pour ça. Mais c'est une bourse qui est vraiment pas mal, assez sympa, donc dans un cadre un peu spécial. Parce que c'est dans un corps de ferme tout simplement, à la ferme du Marot. Donc c'est franchement, ça m'avait surpris la première année. Mais la salle est vraiment très bien, ça fait un nouveau style, ça change des salles de sport ou des salles municipales, machin. Ça fait un autre style et j'ai vraiment kiffé. En plus, depuis l'année d'avant, donc là ce qu'ils vont faire cette année, c'est qu'ils vont carrément améliorer la chose. Donc avec des conférences, salles ludiques également, donc l'espace vente bien sûr, le côté bourse qu'on connaît tous. Hein. Mais ils sont en train de développer quelques petits trucs avec la bourse qu'ils avaient déjà commencé un petit peu à faire. Et franchement, ça rend vraiment pas mal. Donc ils ont des projets, ils ont des bons projets. C'est une bonne asso également, donc assez jeune, hein, on va dire. Hein. Ils sont tous jeunes là-dedans. Hein. Mais vraiment sympa, donc on retrouve en plus pas mal de bons éleveurs aussi, donc et de bons vendeurs de matos aussi également, donc c'est vraiment sympa. Mais voilà, donc c'est une bourse où faut vraiment au moins y faire un tour au moins une fois dans sa vie, parce que franchement elle est sympa. Donc là ce qu'ils ont prévu, ça a l'air de vraiment faire du lourd, donc on va bien voir sur place, malgré que j'arrive en retard, on va dire. Parce que bon, j'ai quand même passé 3 heures à sortir de l'île de France alors que normalement c'est 3 heures de trajet total. Donc voilà quoi. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On va filmer un peu tout ça. Alors je ne pourrais pas filmer directement toutes les salles parce que je suis tout seul sur le stand, mais je vais essayer de filmer le plus d'infos possible et de vous transmettre tout ça. Comme ça, ça vous donnera une idée pour la saison suivante. Donc vu que la vidéo paraîtra après la bourse, malheureusement, je ne peux pas faire du direct. Donc voilà. Sinon, pour revenir sur les organisateurs, donc c'est l'association Terraillon-Nièvre tout simplement. Donc la bourse porte leur nom. Hein. Donc c'est une association qui a quelques années déjà, mais donc à ce qu'ils m'avaient expliqué, l'association existait déjà il y a plusieurs années, mais elle a été reprise par un nouveau bureau, donc ils ont remis un petit coup de jeune là-dedans. Et franchement, c'était pas plus mal. Donc l'an dernier ça avait plutôt bien tourné, donc pourvu que cette année ça fasse pareil. Après bon, les ventes, hein, ça va, ça vient, donc bon, ça dépend pas de la bourse, ça dépend de ce qu'on propose, ce qui est normal. Mais déjà ça avait plutôt bien marché l'an dernier, donc espérons que le public soit encore au rendez-vous, surtout que le principal atout de cette bourse, c'est la partie éducative. Parce que bon, on ne balance pas les novices dans une salle avec plein d'animaux à vendre et les gens ils se disent ouais c'est chouette, je vais pouvoir acheter un serpent et tout. Non, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu pour eux, c'est la priorité, c'est d'informer sur les animaux donc qui seront présents, sur également leur maintien en captivité, les erreurs à ne pas faire. Voilà, c'est un peu ça leur but de base. Après, une bourse, c'est normal, on va pas dire que c'est à la mode parce que ça fait quelques années qu'il y a ça, mais il faut dire que l'espace vente ramène quand même pas mal de monde aussi, parce que des personnes viennent chercher telle ou telle espèce précise chez un éleveur précis et il suffit qu'il soit présent et puis voilà quoi. Donc puis aussi il y a quand même pas mal de visiteurs et donc les exposants ramènent aussi pas mal d'animaux, même si c'est pour les ventes, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc c'est une bourse vraiment où il faut aller voir, faut aller mettre un pied puis discuter avec les organisateurs de la bourse, l'association qui est vraiment sympa. Donc voilà. Donc on se retrouve après quelques images et puis on fait un bilan. Allez, à tout de suite.
pour nous de notre côté, au niveau associatif, ça s'est plutôt pas mal passé la journée, ça a été quand même très important. On a relativement bien rattrapé le truc dans l'après-midi, donc on est relativement satisfait au niveau du nombre d'entrées, de la réussite, surtout nos deux salles avec les réunions publiques, on a eu beaucoup de monde, des gens très intéressés, des questions pertinentes. Les questions que ça a très bien plu aux enfants et aux parents. Les enfants, c'est facile, tu leur mets deux canaux et puis ça arrive. Donc voilà, j'espère que pour vous ça s'est bien passé, vous avez fait des bonnes rencontres. Vous avez pu faire aussi la marche que vous permet d'avoir un week-end positif quand même. Demain, normalement, beaucoup de familles, donc un peu plus de monde normalement, si ça fait comme l'année dernière, vous n'avez pas l'instant, mais on va retourner. C'est le jeu avec les familles en règle générale, on verra bien. Voilà. Pour information, en face, elle s'est fait du tour avec les 12 heures de manu cours, des cours de moto, et avec la pluie, ils attendent, je crois, entre 15 et 20 000 personnes, et ils n'ont pas fait 1 500, c'est comme ça, c'est une catastrophe. Donc le temps se joue un peu contre dans ce genre de... Oh, ils sont complètement à découvrir sur le plan. Voilà, je vais faire le temps de plus, mais on va porter un toast, alors, voir la terre aérophilie, à leur passion commune, etc. Mais aussi à quelque chose d'un peu plus important que la terre aérophilie, et ça me fait assez à cœur au niveau de l'association d'en parler aujourd'hui. Parce que l'année dernière, quasiment à la même date, puisque le salon avait lieu le 15 juin, on avait parmi nous ici Jura Terra, Gaëtan, qui était juste au bout de cette allée, et qui est décédé de 14 décembre. Merci Anthony. Tu pourrais vous battre pour la gueule, non? Non, t'inquiète. Il était juste au bout de cette allée, et qui est décédé quand même. C'est pour quelle année il est entre le 25 et le 30, quelque chose comme ça. D'un virus broyant l'espace de 24 heures. Voilà. Il était avec nous la dernière fois. J'ai eu sa femme, qui est du coup jeune maman, sur Facebook, qui est encore la semaine dernière, qui faisait un très bon salon, qui disait qu'elle était vraiment très triste de ne pas être avec nous forcément au cours de ce week-end. Donc ça me tenait à cœur de porter un tour sur son honneur, parce qu'il y a des choses encore plus importantes que notre passion. Que notre dernière du week-end, que notre point d'entrée, que le fait qu'on réussisse à faire un bon salon ou pas, voilà, on a des choses encore plus importantes et du coup ça nous semble quelque chose encore plus important. Donc du coup, on rentre plus un toast à lui qu'au reste. Voilà. Donc à la vôtre. N'hésitez pas à vous servir. Et le but n'est pas de problème, vous avez le droit de discuter avec vous.